vider le matin. Ah, c'était honte. Pas obligé de me filmer quand j'ai ma clope, si tu veux. C'est pour le style. Je suis même pas rasé. Ça fait voyou un peu, c'est bien. Je suis même pas rasé. Je m'appelle à ça de l'autre côté, tu dis bien. Je sais que mon apprenti m'a regardé, mais je disais que tu t'auras des sous. Et il est là, mon arpète. Ça va Marco ? On doit préparer tout ça là ? Ouais, c'est bon. Quelle est la différence entre un pigeon ? Le russe Ishlakov va sauter 2m31, pouvez-vous dire mieux ? Ça c'est efficace pour Benoît Barassin. Est-ce qu'il peut dire mieux ? Il demandera. Qu'est-ce que t'as ce matin avant de tuer là? Il est bien la vie. Tu vas voir, il va filmer, elle va taper dans la gueule. Bon bah cher Abou, c'est comme ça, on appelle les pompiers tous les matins. Nico, c'est important du bon personnel. Ah ouais, mais en ce moment on est en panne de personnel, alors justement j'en profite, tiens, tu tends la perche. Je cherche du monde pour débrouiller les poulains et puis il leur faudrait une personne pour les vieux chevaux parce que là ça commence à être la guerre. Et puis à ce train-là, l'entraîneur il va pas tarder à faire une attaque cardiaque. J'ai peu le souvenir que t'es une grande guerrière de jockey. J'ai couru une fois monté quand même. Mais je crois que j'étais plus fatigué que le cheval à mi-parcours. Et je remplaçais Sébastien Leblon qui monte plus d'ailleurs non plus. Si les gens qui le connaissent, ils comprendront pourquoi. Seb, un petit bisou. On va l'appeler Dushan, hein, Marco, aujourd'hui. T'es obligé de me filmer avec la cigarette, hein. En même temps, je suis tout le temps avec la pomme, parce que ça va pas être simple. Bon, on est au 8e lot, il est 7h le matin, t'as besoin d'attaquer de bonne heure. Caché là, toi. Beaucoup d'eau, hein. Ah, chef. Je vais aller voir si c'est sauté. Je suis toujours en train de me filmer avec la clope. Tout le monde va croire que je passe mon temps à filmer. Mais c'est peut-être le cas aussi. Non, regarde-la pour la table, celle-là. Mais bon, t'as fait le cul et puis mauvais, bah, t'as fait le cul. Je me filme pas, t'as fait. Bon, t'es prêt ou quoi? Nico, c'est quoi la différence entre le bon et le mauvais driver? Ah, j'attendais celle-là. Alors, le bon driver, il sort de chez lui, bon, il prend sa whip, il fouette, bon, ben, il passe le poteau, quoi. Le mauvais driver, bon, ben, il sort de chez lui, il prend sa whip, il fouette, mais c'est un mauvais driver, quoi. Ça n'a rien à voir, hein? Non, ça n'a absolument rien à voir, hein, mais quand t'es mauvais, de toute façon, tu le sens tout de suite, hein. Tu le sens tout de suite quand t'es mauvais, parce que t'as beau taper, hein, et ben, le cheval, il reste là, hein. Donc, moi je sais, hein. Moi je le sais, hein. Donc c'est pour ça, on va boire un coup, hein, Nico? Parce que toi, quand tu whip, ça renvoie quand même, non? Ah, bah en tant que driver, je sais pas, j'ai pas beaucoup de courses de gagner, mais de toute façon, là, il est midi, il va peut-être falloir qu'on commence à travailler les chevaux, là. Ah, bah, on finit ça, puis on y va. Allez, Tine, il va falloir voyager. On s'en fout. Hey Yann, tienne, hein. Cul sec, hein. C'est le dernier, hein. Dernière bouteille, y'en a plus, de toute façon, après. Y'en a plus, c'est fini. Ah! C'est vraiment pourquoi passer comme connard. Et puis, je sais pas si je suis fait pour travailler chez quelqu'un toute ma vie. J'ai peut-être pas le caractère pour ça. Justement, ton caractère, on peut en parler? Ouais, on peut parler de mon caractère, c'est pas un problème.
Quelles sont les principales difficultés qu'une jeune écurie comme la tienne peut rencontrer aujourd'hui? Les taxes. Si je veux devenir propriétaire chez toi, à part de l'argent, qu'est-ce qu'il me faut? Être mon ami. Être mon ami et avoir une relation de confiance, sinon ça fonctionne pas. La confiance, c'est très important entre un entraîneur et un propriétaire? C'est primordial. Si le propriétaire est là pour t'appeler tous les jours en se demandant si t'as fait le boulot ou pas, ça sert à rien qu'il reste à la maison, ça fonctionne pas. Et aussi bien pour les ouvriers. Si l'entraîneur n'a pas confiance en son ouvrier quand il est parti aux courses et qu'il se dit « Merde, est-ce que le boulot il a été fait ?», ça marche pas. Buongiorno. Bonjour. Francesi. En francesi. Okay. Non è in tenuta da stare. Il n'est pas habillé pour faire ça. È tutto un po' così, casual, diciamo. Pourquoi ils lui mettent quelque chose là sur le nez? Ma pourquoi une fois? Non sopporta le mosche qua sul naso. Se io non gli metto quello, lui va fuori. Cioè, non sopporta. Le mouches sur le nez. Ah, d'accord, ok. Il met ça pour ça. Parce qu'il est beaucoup plus... Non mangia neanche più. Eh? È una cosa, è una diventa. Il perd la tête quand il a les mouches sur le nez. D'accord. Comme ça, il est beaucoup mieux. Pour... Et qu'est-ce qu'il a autour des yeux? Cosa hai messo qua? Quello è sempre per le mosche. Pour les mouches. Pour les mouches aussi. Lui ha dei grossi problemi con gli insetti. Il a beaucoup de problèmes avec les... Il les supporte pas? Il ne supporte pas. È allergico, eh? Ah, il a allergie. Et quand il court, le même, eh? Pour les petites mouches, comment ça s'appelle les... Les petits qui sont moustiques. Beaucoup de problèmes à Milan quand il a beaucoup de moustiques. Pour les courses aussi, hein. Il a vu. Il a beaucoup sensible à ça. L'unico suo problema, questo cavallo. Purtroppo, ogni anno è peggio. Quanti anni ha adesso? Ne compie poi 20 nel 15, nel 2015. A 2015, il a 20 ans. Hey. Ah. Il a pris un petit coup de vieux. Tu as vu? On le voit bien. Il a vu le chien. Ha salutato il tuo cane. Mettilo così al sole di sì, fianco. Aspetta. E parla con le chien. Ti vedi? Ma lui sei umano. È speciale, è lui. Vieni, guarda. Perché c'è un articolo? Tu vuoi ti far prendere un foto avec? Oui. Je vais qu'on l'ait en photo. Vari, sei tutto brutto e sporco. I francesi diranno, ma come tengo questo cavallo? Hai visto il cagnolino, Varei? Guarda che bello. Tu puoi prendere una foto, Marco? Tu puoi qui? Fai où le... Là. Pourquoi? Sur l'écran. Le grand? Oui. Okay. C'est bon? C'est bon. Merci. Encore une? Encore une? Ici, hein? Ouais. Tu veux parler à deux turfs? Merci Marco. Un cheval. Mon cheval de course. Parce qu'un cheval ordinaire qui prend 200 000 euros, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ongle, c'est une ongle. Un brave cheval, pour amateur fantastique. Il n'a rien fait là. C'est là. C'est pas un crack le norvégien. Hein. C'est déjà bien qu'il n'est pas tombé de sulky. Il est monté sur sulky sans règne. C'est moi. Je pensais qu'il fait une épreuve. Non, il est déjà prêt. Après, nous avons donné la règne. Après. Je pensais. C'est un vrai amateur. Voilà, un vrai amateur, le cheval très brave, il a bien gagné. Et bon, tout s'est bien passé. Parce que j'ai donné partant, et je ne sais pas avant que les drivers sont au tirage à sort. Ouais. L'année avant, c'est ton driver qui drive. Et je pensais de mettre un bon comporé ou quelqu'un de... Et après, quand j'ai entendu que c'est tirage à sort, et j'ai vu le Norvégien là-bas, j'ai dit catastrophe. Et ben, tout s'est bien passé. Voilà. Allez. On y va. Viens, viens.
Brava la vecchia qua. La vecchietta. Brava. Oh la piccola. Tu as vu là? Il peut boire dans un verre. Petit nez. C'est ça Romanesque l'a pris. Guantanamera comme elle, sa fille. Et Viking Kronos. Alors ça c'est l'une de tes poulinières phares. Oui, j'ai acheté en Suède pour un propriétaire de 120 millions de livres. C'est comme dire 220 millions 1000 euros maintenant. Et après j'ai gagné beaucoup de courses. Beaucoup de courses, couru le Grand Prix des Nations avec Crowning Classic. Je suis 5e ou 6e, mais il marche 12 dans le temps, 2000 mètres. Regarde quelle... Ah oui, d'accord. Ouais, particularité le... qu'il y a. Ah oui. Tu regardes. Et quand il est en course, il avait des muscles comme ça, comme des pommes, ici. Six pommes. Ah, regarde comme il est encore du sang. Il a du sang encore. Il a 23 ans. Hein. Il était plein de par Rotary, ok. Elle est belle. T'as quoi là? C'est son dernier qui fait. Et il n'est pas content. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Allez, dai. Regarde, regarde ce que tu montres. Il part pas 23 ans, hein?